Greg Hoffmann, victoire au tir au but, elle était importante celle-ci, mais elle était difficile à se dessiner. Ouais, non, ça a été difficile. Ça a été un match ouvert. Les deux côtés auraient pu tourner. De très bons gardiens ce soir. À la fin, penalty, on a réussi à trouver le meilleur, mais c'était un match tendu, quand même pas mal d'occasions. Des deux côtés, chacun a son momentum dans le match et on est heureux d'avoir gagné ce soir. On a vu beaucoup de petites erreurs techniques, de mésententes de part et d'autre. Est-ce qu'il y avait beaucoup de nervosité, il semblait, dans les deux équipes là, ce soir? Oui, c'est clair que début de la saison, on essayait de tous trouver, toutes les équipes essayaient de trouver leur ajustement dans tous les domaines et ce n'est pas encore là. Donc je pense que chacun, si on regarde de notre côté à nous, on doit améliorer ces détails sur les 60 minutes et trouver les clés pour faire des différences et voilà, on va continuer à travailler sur ça. Un des trucs qui n'a pas très bien fonctionné, en tout cas depuis le début de la saison, c'est les situations spéciales, surtout offensives, le power play, alors que c'était une des forces de Zug. Qu'est-ce qui a changé entre l'année dernière et ce début de saison? Bonne question. Ce qui a changé, je ne sais pas. On a beaucoup de nouveaux joueurs, on a un nouveau staff aussi, donc on essaye de aussi trouver les solutions. Je crois qu'on manque un peu d'attaque. On est trop prévisible pour l'adversaire. C'est un peu trop lent dans les exécutions dans tous les côtés, que ce soit sur les breakouts, sur les entrées de zone, et surtout quand on a le puck puis qu'on l'a sous contrôle en zone offensive. Donc là aussi c'est un ajustement, on doit continuer à travailler. Pour le moment on n'est pas là où on veut exactement. On a trouvé une clé de gagner ce soir et c'est ce qu'on doit retenir. Maintenant il nous attend un gros match contre Zurich mardi et on va tout faire pour encore améliorer la situation. Merci bien et bonne suite de saison. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.